Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va traiter un cours, le cours des vecteurs de l'espace, c'est le premier cours de la géométrie spatiale. Pour traiter ce cours, on va commencer premièrement par calcul vectoriel dans l'espace. Pour parler de calcul vectoriel dans l'espace, il faut d'abord définir qu'est-ce qu'un vecteur de l'espace. Premièrement, le vecteur de l'espace n'est qu'une extension de la notion du vecteur dans le plan. Pour définir un vecteur dans l'espace, on le définit à partir de deux points distincts. Donc si nous avons un vecteur U égale à le vecteur AB, avec les deux points A et B sont distincts, ce vecteur il est caractérisé par trois caractéristiques. La première caractéristique, c'est la direction. La direction de ce vecteur est la direction de la droite AB. Deuxième caractéristique, le sens de ce vecteur. Son sens, c'est de A vers B. Et la troisième caractéristique, c'est la norme. La norme du vecteur U, c'est exactement la longueur AB. C'est comme on a fait, comme on a défini le vecteur dans le plan, on peut faire l'extension de cette notion dans l'espace. Par la suite, quelques remarques. C'est de même façon qu'on a fait pour le plan. Pour tout point M de l'espace, le vecteur MM, c'est le vecteur nul et on note 0 vecteur. Deuxième remarque, le moins u s'appelle le vecteur opposé du vecteur u, le vecteur qui a même direction que le vecteur u et de même norme, mais les deux vecteurs, ils ont deux sens opposés. Pour troisième remarque, pour tout vecteur u de l'espace et pour tout point a de l'espace, il existe un seul et unique point m de l'espace tel que, qu'est-ce qu'il vérifie ceci? Il vérifie que AM égale à vecteur U. Vecteur AM égale vecteur U. Et la dernière remarque, si nous avons vecteur AB égale vecteur DC, ça signifie que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Par la suite, on va passer vers somme de deux vecteurs. Soit U et V, deux vecteurs non nuls de l'espace. La somme de U et le V, c'est le vecteur U plus V, qui est construit à l'aide de l'une des propriétés suivantes, les deux propriétés que vous avez vues déjà. La première, c'est la relation de Charles. Si nous avons le vecteur U, c'est exactement vecteur AB, plus vecteur V, c'est vecteur BC. Dans ce cas, U plus V, c'est ce vecteur avec couleur noire, c'est le vecteur U plus V, à l'aide de relation de Charles pour premier cas. Deuxième cas, la somme des deux vecteurs U et V. Le vecteur U représente vecteur AC et le vecteur, je m'excuse, le vecteur V, c'est exactement le vecteur AC et le vecteur U, c'est le vecteur AB. Voilà le vecteur somme, U plus V, c'est le vecteur diagonal. De telle façon, le quadrilatère ACDB est un parallélogramme. Voilà la propriété du parallélogramme. Par la suite, on va passer à un exemple pour bien comprendre ceci. ABCDFGH est un cube ABCD. Voilà, ABCDEFGH est un cube. Parce qu'on parle de trois dimensions, on parle de la géométrie dans l'espace. Donc, on a BC égale EH. Le vecteur BC... Voilà, en rouge, vecteur BC égale vecteur EH. Pourquoi? Parce que nous avons BC égale à FG comme vecteur et vecteur FG égale vecteur EH. Ce que ça donc, vecteur BC égale vecteur EH. Puisque nous avons vecteur BC égale vecteur EH, donc le quadrilatère EHCB, c'est en rouge, si vous constatez, ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc, BCHE est un parallélogramme. Ce que ça donne, alors, CH égale à BE. Puisque ce quadrilatère en rouge est parallélogramme, ce que ça donne, CH, vecteur CH égale à vecteur BE. Par la suite, ce que ça va donner, AB plus CH, AB plus CH, ce vecteur AB plus vecteur CH, qu'est-ce que égale? Égale AB plus BE, puisque le vecteur CH égale exactement le vecteur BE.
Donc AB vecteur avec la couleur bleue plus vecteur avec couleur rouge, BE, que ça donne le troisième vecteur somme, c'est vecteur AE, à l'aide de relation de Chasles. Deuxième exemple, on a le vecteur AB égale à HG. Le vecteur AB, il est en bleu, égale le vecteur HG, encore en bleu. Pourquoi? Parce que nous avons le vecteur AB égale vecteur EF, et par la suite, nous avons vecteur EF égale encore le vecteur HG, ce que ça va donner que AB égale HG. Puisque AB égale à HG, donc le quadrilatère qui est en bleu, HGBA, est un parallélogramme. Ce que ça donne par la suite, alors le AB vecteur AB plus vecteur AH, vecteur AB en bleu, plus vecteur AH égale le vecteur somme AG. C'est le vecteur somme AG. C'est celui-ci, AG. Donc, à l'aide de règles du parallélogramme, on va passer vers autre partie. Ou bien, avant de passer vers votre autre partie, on va passer à une application pour bien comprendre. Donc, que dit l'application? Soit ABCD un tétraèdre, construire le point M tel que le vecteur AM égale vecteur BC. Deuxièmement, montrer que BA égale CM. Premièrement, il faut une figure. Donc, on va voir, celle-là, la figure, c'est le tétraèdre. Tétraèdre ABCD. Le tétraèdre, c'est de la famille des pyramides, mais avec base sous forme d'un triangle. Et là, quatre surfaces. Voilà la première surface, la deuxième surface. La troisième surface, c'est la surface cachée. Et la quatrième, c'est la base. Donc, à l'aide de cette figure, on va travailler sur la question BA. On va montrer BA égale CM. Donc, on va essayer de traiter. Avant de voir la solution, vous essayez de stopper la vidéo et vous essayez vous-même de répondre à cette question. Par la suite, on va traiter sur tableau. Donc, essayons de traiter ça. Application. Montrant que BA égale CM. Donc, il faut démontrer, premièrement, on va construire le point M de telle façon le vecteur AM égale vecteur BC. Donc, pour démontrer que BA égale à CM, premièrement, AM égale à vecteur BC, vecteur AM égale vecteur BC, ce que ça va donner le quadrilatère AMCB est un parallélogramme. On a le vecteur AM égale vecteur BC. Donc, AM CB est un parallélogramme. Puisque AM égale à BC, donc le quadrilatère est un parallélogramme. Que ça donne par la suite? Puisque AM CB est un parallélogramme, ça donne que le vecteur BA égale exactement le vecteur CM. Alors, le vecteur BA égale le vecteur CM. Et voilà, on a pu atteindre ce qu'on veut.
Passons vers autre partie. Donc, propriété, pour tout vecteur UV et W, soit UV et W, trois vecteurs de l'espace, on a la somme du vecteur U et V égale la somme du VU. Dans ce cas, on dit que la somme des deux vecteurs est permutative. U plus AV égale à V plus U. Deuxième propriété, U plus V plus W égale U plus V plus W. Troisième propriété, si j'ai le vecteur U plus vecteur nul égale vecteur nul plus vecteur U égale le vecteur U lui-même. Passons vers troisième partie. C'est la multiplication d'un vecteur par un réel. Soit U un vecteur non nul de l'espace et K un nombre réel non nul, on appelle produit du vecteur U par le réel K le vecteur noté KU. De même direction que U. De même sens que U si K est positif. Si le K est positif, dans ce cas le vecteur U et le vecteur KU, ils ont même sens. Et ils ont deux sens opposés si nous avons le cas un nombre réel négatif. Dans ce cas, le vecteur U et le vecteur KU, ils ont deux sens opposés. Et de norme, la norme du vecteur KU, c'est la valeur absolue du nombre réel K multipliée par la norme de U. Et on note la norme de KU égale valeur absolue de K multipliée par la norme du vecteur U. Une remarque, pour tout vecteur U et tout réel K, on pose K multiplié par vecteur nul, ça donne vecteur nul, et le zéro réel multiplié par le vecteur U, ça donne encore le vecteur nul. Passons vers les autres propriétés. Pour tout vecteur U et V de l'espace et tout réel A et B, on a le réel A multiplié par U plus V, on peut distribuer, ça donne A multiplié par vecteur U plus A multiplié par vecteur V. Deuxième propriété, si nous avons le réel A plus réel B, le tout multiplié par U, on peut le calculer sous la forme A multiplié par U plus B multiplié par vecteur U. Troisième propriété, si nous avons le réel A multiplié par réel B multiplié encore par le vecteur U, je peux calculer le produit des deux réels et par la suite je vais multiplier par vecteur U. Comme dernière remarque, si nous avons le réel A multiplié par vecteur U égale à vecteur nul. Que soit le réel est nul, que soit le vecteur U est un vecteur nul. Pour bien assimiler cette propriété, passons vers une petite application. Avant de voir la correction, vous essayez vous-même de faire l'application et vous essayez de comparer avec la solution. Donc, on va traiter l'application sur le tableau. Que demande la question? Soit A, B, C et D, quatre points de l'espace, simplifiez le vecteur suivant, c'est le vecteur U égale BA moins AB moins vecteur AB plus vecteur AC moins vecteur BC. Donc, nous avons le vecteur U égale vecteur BA moins vecteur AB plus vecteur AC moins vecteur BC. Donc, premièrement, nous avons vecteur BA. Le moins vecteur AB, son opposé, c'est le vecteur. Ou bien le moins AB, c'est exactement le vecteur BA. Plus vecteur AC. On va essayer de travailler sur vecteur BC à l'aide de relation de Schall. Ça donne vecteur BA plus vecteur AC. Par la suite, ça donne deux vecteurs BA plus vecteur AC moins vecteur BA moins vecteur AC. Nous avons deux vecteurs opposés. Donc, on peut simplifier par les deux vecteurs opposés. Que reste? Deux vecteurs BA
moins vecteur BA. Toujours, on parle du vecteur U. Donc, que reste? Le vecteur U égale 2BA moins BA reste un seul vecteur BA. C'est le résultat final. Donc, ce qu'on a dit, je vais réexpliquer. Premièrement, nous avons le vecteur U, c'est vecteur BA moins vecteur AB, plus vecteur AC moins vecteur BC. Vecteur BA, ça reste même. Le vecteur moins AB, on va permuter, ça va donner, on va permuter les deux extrémités, ça va donner le vecteur BA, plus vecteur AC, ça reste. Et le vecteur BC, on va travailler à l'aide de relations de Chasles, ça donne BA plus AC comme vecteur. Par la suite, on va essayer de simplifier que ça donne vecteur BA plus BA égale à 2BA plus vecteur AC moins vecteur BA moins vecteur AC. Par la suite, on a deux vecteurs sont opposés, ça donne un vecteur nul, donc vont disparaître, que reste que vecteur 2BA moins vecteur BA. Vers la fin, que reste 2BA moins BA, c'est un seul vecteur BA, donc le vecteur U égale vecteur BA. Donc, on va s'arrêter là. La première partie est terminée. On va essayer de continuer notre cours pour deuxième partie. Et merci pour votre attention.